Le canal de Marseille est dangereux. C'est un ouvrage technique qui n'est ni un lieu de baignade, ni même un lieu de promenade. Le courant est fort, les berges abruptes et quasiment impossibles à escalader. J'ai simulé une personne qui peut tomber et montrer les difficultés en fait de remonter par les berges. C'est pourquoi la société Eau de Marseille Métropole et le bataillon de marins-pompiers de Marseille informent, et plus encore en période estivale, des risques et de l'attitude à adopter en cas de chute accidentelle qui pourrait être dramatique, notamment pour les enfants. Par rapport à leur gabarit, leur taille et leur force aussi, ils ne peuvent pas remonter par les berges, d'où ce système de sécurité, cette ligne de vie qui a été mise en place par la SAM. Donc on a tenu à mettre quelqu'un en démonstration pour montrer les deux scénarios qui peuvent se présenter sur une chute accidentelle sur le canal. Donc la montée sans utiliser les ouvrages mis à disposition. Ça c'est glissant, ouais. Il y a beaucoup de vases en dessous en fait. Il y a beaucoup de vases avec des algues. Donc mes pieds ils sont pris. Et puis donc la bonne attitude à avoir, donc se laisser dériver et s'accrocher aux filières de vie qui sont mises en place avec l'échelle de sortie. La seule des solutions c'est de se mettre sur le dos, pieds en avant et on laisse glisser. La tête hors de l'eau pour la respiration. Et surtout pas stresser, quoi. On favorise beaucoup moins le risque de noyade. La SE2M a la responsabilité des 170 km de canal. Et sur ces 170 km, on en a 70% qui sont à risque. On a des lignes de vie qui sont disposées pour pouvoir s'extraire du canal. Et on a de la prévention qui est faite annuellement dans les écoles, dans les groupes d'habitation, pour prévenir ce risque-là. Il y a un suivi qui est fait donc par la SEM, il y a des campagnes de prévention, on l'a dit, mais ils ont aussi des tournées d'agents qui passent très, très régulièrement sur le canal pour sensibiliser les gens qui passent sur le canal malgré les clôtures. Le danger est réel, souvent sous-estimé. Des pièges inattendus peuvent surprendre chacun d'entre nous. On ne doit pas s'y baigner et il faut éviter une chute accidentelle. Les enfants, particulièrement, ne devraient en aucun cas s'approcher du canal.